Voici le guide complet des défis de la semaine 9 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parcourir la distance dans des lieux dits des enfers. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à cet emplacement-là, donc les enfers, ou alors à Grimgate, un des deux. Et à ces emplacements-là, vous allez devoir parcourir 750 mètres. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de sauter dans l'eau rouge. Comme ça, vous allez pouvoir avoir la ruée des enfers. Et vous vous déplacez comme ça en illimité, tout autour du lieu dit des enfers, pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'acheter des services à Mephisto. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay, donc aux enfers. Et là, vous allez devoir parler à Mephisto pour lui acheter des services. Donc les services qu'il propose, c'est tout simplement de réanimer vos alliés contre 99 points de vie. Ou alors, vous pouvez donner 20 points de vie à Mephisto pour avoir un objet aléatoire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de donner 20 points de vie. Comme ça, vous allez obtenir un objet. Et ensuite, vous lui reparlez et vous lui redemandez un objet contre 20 points de vie. Alors, il faut savoir que ça peut vous donner n'importe quelle arme de n'importe quelle rareté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, je pense que ça peut pas vous donner des armes mythiques. En tous les cas, j'en ai pas vu. Mais le maximum que ça m'a donné, c'est des armes légendaires. Donc en réalité, pour 20 points de vie, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement demander deux services. Dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des munitions sur des adversaires éliminés. Alors, il faut savoir que ce défi fonctionne contre des bots, mais ça fonctionne aussi contre des joueurs. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement éliminer vos adversaires et réussir à obtenir un total de 500 munitions en ramassant les munitions qui sont sur le corps de vos adversaires. Et dès que vous en aurez ramassé 500, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer un joueur alors qu'il reste moins de 25 joueurs dans la partie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir lancer une partie et rester en vie jusqu'à temps qu'il ne reste que 25 joueurs en vie. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de réussir à éliminer un ennemi. Et dès que vous aurez réussi à éliminer un ennemi dans une partie où il reste moins de 25 joueurs, là, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de faire une émote dans 5 parties différentes. Donc ça, c'est très simple, vous lancez une partie, vous faites une émote, vous quittez, vous relancez une partie, vous refaites une émote et vous faites ça 5 fois pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code créateur SCL.